quand on a créé ce festival avec l'équipe de la Cascade, pour nous c'était comment faire partager les arts du cirque au plus grand nombre. On a monté ce projet donc avec Saléa. L'année dernière, elle m'avait dit, bah, écoute Mario, voilà, là je peux venir avec 5 personnes en situation d'autisme, comment on peut faire? J'ai dit, bah, d'abord viens la première année, regardons le festival, qu'ils comprennent comment il est, qu'ils se baladent. Donc aujourd'hui, on fait un travail spécifique avec des savoir-faire spécifiques qui arrivent sur le festival pour les personnes en situation de handicap. Cette année, on est dans l'inclusion avec 5 personnes qui viennent ici et qui vont participer au catering, qui vont participer à l'accueil du bar. J'ai commencé hier avec 2 des résidents, Cédric et Elfried, là, avec qui on a travaillé en cuisine. Ça s'est très bien passé, ils ont été appliqués dans ce qu'on leur a donné à faire. L'équipe a été hyper accueillante. Cédric et Elfried sont venus nous aider. C'était super chouette, on s'est régalé de les recevoir. Et ils nous ont aidé à couper des tomates, à mettre du gazpacho de melon en verrine. Ils nous ont pelé des pommes de terre. Donc c'était une première pour nous, c'était une bonne chose. J'espère qu'eux, ils se sont régalés. Aujourd'hui, je suis revenue ce matin avec un autre résident, Abdel. Pareil, j'étais un tout petit peu inquiète parce qu'Abdel est quelqu'un qui a besoin d'assez pas mal de calme autour de lui. La cuisine, c'est un lieu bruyant. Ils mettent la musique assez fort pour se donner de l'entrain. Et en fait, non, Abdel, c'est absolument super bien adapté. Ils ont aussi une action bénévolat au sein de la buvette pour nettoyer les tables et accueillir tous les festivaliers dans un endroit propre et agréable. C'est des endroits qui sont mine de rien assez stressants et je trouve ça génial en fait de pouvoir réussir à les rentrer dans ce monde-là en fait déjà de l'associatif, du festival et puis c'est des super nouvelles expériences pour eux quoi. Les résidents sont aussi là pour profiter et s'imbiber de ce monde de festivaliers. Nous sommes partis voir l'inauguration du festival. Ensuite, nous sommes partis voir un spectacle nommé FIC au Théâtre Antique. L'équipe du festival nous a très bien accueillis. Le côté donnant-donnant est très intéressant car les personnes du festival en apprennent beaucoup. J'ai vu des personnes qui pouvaient ne pas forcément être à l'aise et en fait aller vraiment vers les jeunes et apprendre à les connaître. On s'est vraiment penché et quelque part formé avec des compétences qui nous sont arrivées de l'extérieur pour que ce festival continue à être finalement accessible à plein de personnes différentes. Je crois que si on traçait une ligne conductrice de notre travail, c'est ça, c'est d'un côté fabriquer des spectacles et de l'autre comment les partager avec le plus grand nombre. Je suis absolument ravie de voir que des personnes avec des handicaps comme ça puissent être dans un lieu où il y a beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de choses à voir, beaucoup d'informations à prendre et que je pense que ça les change énormément de tout ce qu'ils vivent d'habitude. C'est un peu osé de les emmener en groupe, complètement ailleurs de ce qu'ils connaissent et voilà, c'est un challenge et je trouve ça, je dis bravo aux gens qui osent faire ça.